bonjour à tous, c'est TheMathieu18 pour une nouvelle présentation de mode sur Farming Simulator 2013. Donc aujourd'hui c'est pour une genre de truc pour faire des terrassements. Donc c'est la Tamatsu je sais plus quoi. Donc attendez, je vais regarder. Kamatsu D65EX. Donc voilà, donc c'est vraiment un super mode, il fonctionne très bien, je vous le conseille fortement. Donc voilà, donc c'est un mode de chez TP Simulation, mais qui est peut-être l'un des seuls, je crois, qui est avec un lien de téléchargement, donc sans passer par le forum. Hein. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, qu'il est vraiment magnifique. Et puis voilà, donc là on va tout de suite le tester ensemble. Voilà, donc là je vais faire hop. Donc on va tout de suite commencer. Donc avec les clics gauche de la souris, et quand vous montez et descendez la souris, vous montez et vous descendez la petite pelle devant là. Touche 5, donc pas la touche 5 du numpad, hein. C'est pour enlever le petit truc qu'il y a là. Donc, attendez, hop, 5. Donc voilà, donc moi je le laisse personnellement. Et touche 6, c'est pour mettre ça, voilà. Donc voilà. Voilà. Et B, ben, c'est pour commencer à terrasser. Donc là, je vais vous montrer. Hein. Donc voilà, vous avancez et puis ça terrasse. Donc ça fait la texture labourée du champ, donc voilà, plutôt pas mal. Hein. Et voilà, donc ça fonctionne très bien, hein, comme vous voyez que je viens de le faire. Et voilà. Donc je crois que j'ai tout dit sur cette machine. Hein. Donc voilà, donc merci encore à TP Simulation pour... nous avoir fait ce magnifique mode. Donc voilà, donc si vous voulez d'autres modes de TP Simulation, je crois que c'est l'un des, c'est le seul, ou peut-être il y en a peut-être un autre qui vient de chez eux et qui est avec un lien. Donc voilà, tous les autres faut aller sur le forum, donc je vous invite à y aller, je mettrai le lien dans la description si j'y pense bien sûr, et le lien du mode sera dans la description aussi. Et voilà. Donc sur ce, je vous dis portez-vous bien. Et puis à la prochaine.